On a une petite madame qui a pogné la roquette ici. Content de bain? C'est quoi ça, bébé? Des bonbons? Ouais. J'espère que vous allez bien. Vlogmas, jour numéro 13. On est le 13 décembre, il est 8h33. Puis, vous entendez la voix de la belle Mine en arrière. Je suis en train d'écouter le vlog qu'elle a mis en ligne ce matin. Je vais le mettre en pause. Aujourd'hui, on est mardi. Et là, je suis en train de. Je suis obligée de m'habiller. C'est rare que je m'habille tard, vraiment. Mais je me suis habillée plus tard ce matin, je suis en congé aujourd'hui et demain. Par la suite, il faut que je commence à penser à notre petit magasinage de vendredi parce que, moi j'allais me chercher un nouveau manteau d'hiver, mais pas juste ça. On a des cadeaux de Noël à compléter aussi. Puis, je suis en train de penser à décider de ce que j'aimerais. De ce qu'on aimerait offrir en fait à ma belle-mère et Aurélie, ses cadeaux, on sait déjà ce qu'on veut, fait qu'il reste juste à aller chercher. Son bonnet, il est quasiment terminé. Puis là, vous allez rire, ok? Parce que moi, dans la vie, genre, je me trouvais déjà fucking bonne là, de pas avoir dévoilé une des parties des cadeaux à mon chum pour Noël, ok? Vraiment. Puis, attendez, je vais aller chercher mon café, puis je m'en fais. Annonce publicitaire. Je sais, vous allez peut-être dire, oh my god, donc oui, notre drap s'est déplacé demain par Danny, fait que je vais le replacer. De toute façon, je vais le laver aujourd'hui. Bref. Je me trouvais comme... Ça coche un peu, tu sais, de pas y avoir rien dit comme d'indice, peu importe. Parce que, dans la vie, genre, moi, quand j'achète un cadeau à quelqu'un, j'aime ça y donner, genre, là, tout de suite, maintenant. Ok, cool. Vous allez comprendre. Mais là, j'avais caché ce que je vous ai parlé en début du vlogmas, mais en rangeant le papier de toilette qu'on a acheté chez Costco, ben là, les livres étaient plus à cette cachette-là, mais ils ont été placés. Ailleurs, à la vue de la petite personne, bref, à la vue de tout le monde dans la maison. Fait que là, mon chum, hier, il me regarde, puis par arrêt, il dit, ah, c'est quoi, et puis canadien, ça a fait, fuck, c'est là qu'il s'est vu. Puis là, juste avant de partir travailler un matin, j'étais comme, faut vraiment que j'y recache pour être sûr, genre, qu'il remarque pas, puis tout. Complètement oublié. Vous voyez bien comment je suis. Fait que bref, hier soir, on en a eu une papier chatte à cause de ça. Puis, avec le je cherche quoi y acheter d'autre pour compléter ça. Mais bref, il dit les autres, tu sais, cachent les mieux que ça. Tu sais, je suis partie à Rive, j'étais comme, il était caché au début. Tu sais. En tout cas, bref, on a eu une bonne rigolade avec ça. Que, là, je vais boire mon café. Il faut que je passe à l'épicerie chercher la seule affaire qui manque pour souper pour faire du pâté chinois. On n'a plus de patates, fait que je vais faire ça, puis je vais acheter du poro, soit brocoli, soit carotte, un des deux, pour manger à côté aussi. Et,
Ah, peut-être du zucchini aussi. En tout cas, je sais plus. Pour pas juste manger des patates comme légumes. Quand même. T'sais, là, hier, mettons, là, vous avez vu, là, on a mangé des frites avec le air fryer. Ça fait en sorte que les frites sont. Il n'y a comme pas de gras, là. Si tu mets pas d'huile là-dedans, tu mets sweet fuck all la niette, là, genre. Fait que pour vrai, c'était vraiment bon. Ils sont devenus quand même assez, je dirais, vraiment croustillantes, là, à date. On l'aime vraiment beaucoup, notre friteuse à air. Puis on a fait cuire les poitrines de poulet dedans aussi. Ils sont restés, c'est comme super bien cuits, super juteuses. Ils étaient bien dorés. Ah non, pour vrai, c'était vraiment cool. À soir, ben là, je ferai pas du pâté chinois à un fryer quand même. On n'ira pas jusque-là. Ça ferait wack un peu. Mais. Voilà, fait que là-dessus la gang. Je consomme pour mon café, je vais aller partir une brosse de lavage. Après ça, le vlogmas d'hier, jour 12, est en ligne. Celui d'aujourd'hui va être en ligne plus tard ce soir. Fait que voilà. Cheers au café. Puis on se rejoint tantôt. Donc, voici mon déjeuner. Bonjour tout le monde, il est midi 8, puis là je suis au Canadian Tire. Je suis dans une rage où il n'y a pas 50 000 personnes, mais voilà. Oh, puis c'est-tu la bonne table que j'ai pris? Non, je sais pas. Oh, c'est la bonne ou c'est pas la bonne, je sais pas. Je vais garder le skew. Ok, c'est. Sharp price. I guess que oui. Ouais, ça a l'air d'être la même affaire. Ouais, c'est la même affaire. Je suis tombée niaiseuse. C'est la même affaire, c'est juste qu'à boire, t'es pas la même couleur. À moins que, je sais pas. En tout cas, m'a checké, mais c'est censé d'être ça, oui. Faire un haul dans quelques instants, mais ça c'est la table Mega Block que je m'apprête à emballer avec ce super beau papier là du Walmart. Puis sont réversibles, fait que c'est vraiment chouette. Puis je vous ferai un haul du reste après. Yellow, bon, on va essayer de me patater un setup pour que vous me voyez comme vous. Ça ici. Ouais. Oh, c'est parce que vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas bien, j'ai l'impression. Parce que tu, mon trépied, il ne va pas vraiment dans mon lit. En tout cas, bref, je ne sais pas quelle vision vous avez, mais voilà. On a parlé de cadeau à Aurélie. On va en avoir d'autres à emballer éventuellement, mais celui-là, il est fait. J'ai pris des popettes, là, sûrement que vous connaissez l'argument de tout ça. Je vais les mettre dans son bas de Noël. Il y en a à la garderie, puis elle aime vraiment beaucoup ça, jouer avec ça. Puis même, j'ai comme des moules chez nous pour faire du chocolat. Mais que je ferai pas de chocolat avec ces moules-là, parce que c'est trop mou, ça tient pas. C'est en silicone, là, fait que ça tient vraiment pas. Elle trouvait que ça ressemblait au papier, fait que je l'ai laissé jouer avec l'autre jour. J'ai pris, là, on va tout enlever les étiquettes, on va les mettre dans son bas de nez. J'ai pris une genre de petite chenille comme ça. J'ai pris une petite balle comme ça, puis il y a genre une lumière dedans. C'est fermé à 7 ans, je crois qu'elle sera pas capable, mais vous voyez ce que ça fait en tout cas. Elle sera pas capable d'enlever les choses dedans. Puis j'ai pogné un octogone comme ça. Puis, et hybride en noir. Fait que ça, c'est Canadian Tire. Personnellement, je me suis pris un autre halter de 10 livres parce que j'en avais une. C'est sûr, j'en avais rien qu'une. Puis je fais les deux bras en même temps. Fait que voilà. Je me suis pris des sliders. Ça fait longtemps que j'en cherche. Puis
celui-là, il était 12 pièces. Mais c'est parce que sur Amazon, ou en tout cas, il est plus, genre, Peach Body, puis tout ça, c'est quasiment 40 pièces sliders, ça fait que ça n'a pas de sens. J'ai pris un sac cadeau comme ça au Walmart. J'ai pris son petit kit de Noël, qui est un legging avec une robe comme ça, avec une chupette, des boutons en arrière. Puis il y a comme le petit ruban pour mettre sur la tête. Elle va être super cute avec ça. Puis j'ai pris un 12-18. Ça, c'est des choux pour emballer des cadeaux. Ça, c'est un truc que dès que je retourne au Walmart, m'a retourné. J'avais pas remarqué quand je l'ai acheté tout à l'heure. C'est des bouchées, en tout cas sucrées, salées, laises, là. Je trouve ça dommage parce que c'était pour aller dans la vidéo que je vais tourner demain. Mais quand je suis arrivée dans la voiture, le sac avait déjà été ouvert par quelqu'un. Parce que la languette, c'était, comme vous voyez, partie. Donc, souvent quelqu'un qui s'est pris un snack, on va le mettre avec ça. C'est super. Super. J'ai pris ça, on va y donner avant Noël, mais les autres morceaux de vêtements, on va y donner à Noël. On manque pas de linge, mais du 12-18, on est en train de se refouler parce qu'on a réalisé que cette grandeur-là, on en avait comme moyen. J'ai pris une tunique ballerine comme ça. J'en ai pris une licorne, vraiment belle. On y a repris d'autres bouts. Des beaux, écoutez, on en passe pas mal dans une semaine. Après ça, j'ai pris, ça va être pas mal ça pour le linge, j'ai pris trois petits leggings. Fait qu'un comme ça, un comme ça, puis un comme ça. Puis j'ai tout pris dans le 12-18 mois. Hop, ça c'est les étiquettes cadeaux pour mettre sur les étiquettes pour les noms et tout ça. Puis ben ça c'est du papier de sucre. Ok, voilà. Les petits rôles de la journée, la gang. Ça, je vais me mettre encore à l'emballage. Je vais emballer la première partie d'un des cadeaux à ma, du cadeau à ma belle-sœur. Puis il faudra que j'aille chercher quelque chose sur internet, voir pour l'autre partie du cadeau à mon chum. Aujourd'hui, c'est un beau vendredi frisquet de Vlogmas qui commence tard en vidéo et qui a commencé tôt pour moi parce que je suis allée faire mes cheveux, mon blond que j'aime tant. On mange du bon pâté chinois? C'est plutôt maître, hein? Pas de boucher, là! C'est bon, les betteraves, bébé! Elle boit comme une grande fille. Rebonjour la gang. Il est rendu 20h19. On a joué avec Aurélie ce soir. Il a donné son bain. On a mangé du pâté chinois pour souper. C'était super bon. Après ça, on a comme relaxé avec elle. On a joué avec elle. Comme je vous ai dit. Puis ça a été une super de belle soirée. Fait que voilà, là je vais conclure le vlog là-dessus. Je sais pas, les clips d'aujourd'hui vont ressembler à quoi. Je sais que j'ai filmé un haul, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Fait que j'espère que vous avez été contents du haul que j'ai fait. Puis là-dessus, la belle gang, on va se revoir demain pour le jour 14.